Et yop tout le monde, c'est Zuki Gamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Soleil et Lune, l'épisode 5, je crois, oui, sans doute. Hop là. J'ai juste avancé un petit peu parce que, bon, tout à l'heure j'ai record une minute, je me suis dit, ah merde, j'ai oublié de modifier l'image avec le Malibu. Donc, du coup, voilà, vu que j'avais déjà sauvegardé, hein, voilà. Bref, on va reprendre où on était. J'ai juste battu un mongouton, juste ça. Je peux avoir un Pokémon. On peut rencontrer des Pokémon ici. What the fuck? Intéressant. Intéressant. Shiny? Ah non, même pas. Ça m'est donc arrivé. Nous, c'est un petit Volvi. What? Et puis, quand on apprend Volvi? Je savais qu'il apprenait autre chose, genre l'attaque insecte là. Non, j'ai mieux. Tranche herbe. Voilà. Je m'en suis débarrassé. Voilà. Oh, la vue. La vue. Bijou. Ah, te voilà. Petite tête. Laisse-moi t'expliquer deux ou trois choses. Afin que tu te couches mon bête. Certains, là, tu tomberas. On appelle les barrières du capitaine. Ce sont des barrières qui se trouvent. Normalement, tu n'as le droit. Les terrains, mais vu que tu as passé le. Tu fais le tour de l'île, il te suffit de réussir à l'épreuve pour pouvoir passer. Maintenant, ennemi à Pokémon, un claquement de doigts, et hop là. Je peux y aller. Donc, c'est que juste pour moi les barrières. Hein. Sinon, on se fait. Oui, salut man, quoi de neuf? Oh là là, cet homme. Oh, il est trop musclé. Vu ta tête, que tu as raté, j'en déduis que tu as eu. Réussi à la première épreuve, ça se fait. Ah, je n'ai pas de cadeau. Mais je peux te parler de la force Z. C'est quoi force Z? D'abord on trouve poche cristaux, ensuite donne le cristal. Si tu connais mon capacité, bingo, ça marche. Une fois que tu tiens le cristal Z, tu peux servir la force Z en combat. Au fait, tu peux utiliser le cristal Z autant que tu veux, il ne disparaîtrait jamais, tranquille. Ok. Ouvre les grands yeux, ennemi à l'artiste. Il a un bracelet? Qu'est-ce qu'il va faire à ce pauvre Kalinos? Turbo charge du bulldozer, ok.
Déploie toute sa défense, turbocharge du bulldogère. Par contre, l'animation, vous auriez pu faire courir le rocambo. Ça le fait pas trop. Juste le faire avancer comme s'il avait des patins. Le rocambo patin. J'ai le titre de l'épisode. J'ai pas besoin. Je dois aller là maintenant. Voilà. Route 3. Qu'est-ce que c'est là? Hop là. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer les larvibules? Je veux un larvibule, au moins. Psychoguac. Hop là, ça c'est fait. Hop là, voilà. Là. Sera mieux pour moi. Il faut des là par là. Tête. Une soin mal. Voilà. C'était quoi comme Pokémon qu'il fallait que je capture pour la. Ferrochard, ok. Ah, il était à ça de monter level 18, ça. Hop là. Il y a un objet invisible, je le sais, j'en suis sûr. Je sais pas pourquoi je le sens. Kadozo. Eh, c'est rare les Kadozo sauvages. C'est très rare qu'ils en mettent. Hein. Appelle à l'aide. Génie? Non, même pas. Bon, vu que j'ai pas envie de m'embêter, hein, je vais faire comme mon Monoceraptor. Hein. Là, je les ai fait bien, plus ou moins bien. Bon, bien. Risque d'en rappeler un autre. Je ne rappelle pas un autre, ça va. Ça va. Ça va si j'ai pas ça. Miaus, level 14, combo relief, oui, pourquoi pas. À la place de rugissement. La ribule. Donne-moi la ribule, s'il te plaît. Oh, bien fait, mec. Je
faire ça. Oh. Trop kawaii. Trop kawaii. Étonnement, je pense que ça ne devrait pas le tuer. Logiquement pas, c'est pas. N'infecte pas. Tac. C'est lui. C'est donc lui qui doit. On va faire. Ok. Oh merde. Bon, au pire, si j'ai pas lui. Bon, on va voir. Mais je pense que ça fait moins de dégâts. Bon. Ok, voilà. Les pipiques. Par contre, les appels à l'aide, c'est souvent. Hein. Ça fait trois fois trois Pokémon quand même. Voilà. Ces cas-là, le bon bidou qui fait chier. Ah, ok, Pokémon, ça c'est bien. Ah, heureusement que Super Bowl, j'en ai ras le cul, il sort. Allez. 1, 2, 3. Et à mon avis, la Pokéball est plus grosse que le bon bidou. Oh là là. Pauvre Pokémon. Si on sert bien tout ça, pour moi ça doit être ça. Enregistré. Il évolue ce truc. Ah bah oui, c'est vrai. Il se nourrit de nectar, blablabla, j'ai mis vite fait. Non, j'ai pas envie. On lui le met sur moi. Oh merde, je vois. Voilà. Bon, donc il y a des problèmes de type insecte ici. Donc ça va. Je suis pas. Je peux tomber sur des. L'invincible. Donc, voyons voir la quête. Ok. Des sous. Ok. Bon. Moi, je préfère garder lui que Tanmo. Tac. Je soigne en même temps. Hein.
Donc c'est comme ça qu'on a des baies. Ok. Ok, moi je vais souvent le faire, hein, ce truc-là. Un pied de bloc. J'en ai ras le cul à un moment donné. Voilà. C'est pas ma seule. Encore un bien fabrique. On s'en fout. Le Pokémon sauvage à force, hein. C'est chiant. J'ai mal à la gorge. Je suis Johnny. Ah, une grotte. Comment? Je crois que c'était une grotte. Un bec pointu, ok. C'est tout. Ok. Et que des piafs à mec. Que des piafs à mec. Il a l'air d'avoir que des piafs à mec. Je pense que je sais ce que je vais faire pendant le... entre les deux prochains épisodes. J'essaie de capturer un Larvibule. Hop là. Et dès que je l'ai, je reprends le... Je commence l'épisode direct. Une super bol. Ok. Chloribule. Ok. Pic pic, je crois que je vais changer le pic pic avec la ah, le bec pointu. 20% de dégâts, c'est quoi? Frex, tac. Ce serait bien. Qu'est-ce que c'est là? Vers le jardin où dansent les plus ninjas sauvages, ok. Qu'est-ce qui est fait? Doudou t'éloigne pas trop. Ah, c'est toi. Doudou s'est aventuré au fond de chemin de fleurs. Et doudou. Alors qu'on vient de limiter, hein, le pont s'est suspendu, il a refait des siennes, il ne connaît aucune capacité, s'il l'attaque, je crains le pire, ok. Oh. Oui. C'est quoi le truc qui brille? Un petit bombidou. Hop là. Mais par contre, je veux bien le poutrer. Parce que ça me fait rien. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Nectar jaune. C'est quoi le nectar jaune? Ça sert à quoi? Il y a beaucoup trop de trucs.
Et lui, ça fait nectar jaune. Permet de changer. Ah, ok. Écho, confiance, casse-brique. Pekikam, peau marron. Brasse les aides. Ronfle les élites. Ça. Ok, ok. Ah, il faut faire le tour. Ok, bon. Bon, j'en ai pas des millions, des pic-pics là. Je vais utiliser un repousse. Je crois que j'en ai un. Mais j'ai pas de repousse. C'est cool hein. Non, non, c'est pas par là qu'il faut aller. Bon. Même plus de ligne. Ah bah je vais le faire. Je vais le faire. Il n'est pas type électrique, mais je sais pas. Je pense pas. Plein. Le classique, hein, évidemment. Hein. Ratata. Bon bidou, level 10 sur 20 insectes. Ça, c'est bien comme insecte, comme attaque. Ça va. C'est correct. Je cherche ma copine. Elle m'a planté là. Je me demande si elle est en train de poursuivre un papillon quelque part. Il y a dit un papillon. Donc, il y a des animaux. Il y a des animaux papillons. Voilà. Papillusion. Peut-être qu'il a dit papillusion. Non, il y a dit papillon. Cosmog. Piou. C'est vraiment intenable. Merci beaucoup. Tac, merci aussi à les flèches. Je vais soigner ton équipe et toi. Oh, merci. J'ai eu quelque chose d'étonnant. Apparemment, un Pokémon Plumine cherche qui changerait en inspirant du nectar. Piou. Dans le sac, mais capture-le, c'est mieux. Ok, il va te défoncer. Voyons voir un peu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. La tranche, herbe, vive attaque, évidemment. T'as pris cher. Boulelec. Moi, je suis neutre. Hein. Bon. La seule fois, ça devait pas rater ça, c'était ce moment là hein. Ça a raté, donc voilà. Ok, ça c'est fait. Level 19, ça c'est bien. Clairvoyance, non. J'aime pas clairvoyance, aucun temps. Au catin, oui, c'est à cause de 6 heures ça. Il a dit qu'il appellerait son au taquin au catin. C'est de sa faute.
pris du temps. Tu es allé trop vite. Toi et moi, on a vaincu le Pokémon. Je me demande si j'arriverai à battre Pépé un jour. Ok. Je savais que je pouvais compter. Merci, man. Ok. Alors, comme ça, tu as réussi. J'espère que tu as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Pour qui me prenez-vous, professeur? Je suis sûr que le vieux ne tient plus à savoir qui il est. Hein, quoi? Pourquoi? Ça veut dire que je dois me battre contre Pépé. Ah. Allez, à tout. Chopons le vent arrière. Hop là. La blague de merde. Chopons le vent arrière. Hop là. Bah, je vais essayer de capturer plus de nuit. Au moins deux ou trois. Rencontres. Quand je fais ça, c'est un tic, hein, à mon nez. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit tic. Des fois, je le fais. Ne vous occupez pas. C'est juste moi que ça concerne. Voilà. Allez, Plunine. Encore un bon bidou. Dernière rencontre après, sinon je les ferai plus tard. Hop là. Bon. Il veut pas venir. Donc, s'il veut pas venir, il viendra pas. Voilà. Il viendra pas. Ouais, celle-là. Je vois un truc sur la carte. Oh. Prends ça. Qu'est-ce qu'il veut me donner? Gros lozaine. Hein? Ça va être bien pour Winfrex. Lui qui évolue avec le bonheur. Il me semble que c'est ça, il évolue avec... Il évolue avec le bonheur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore un piaf à bec. A mon avis, il y a des Pokémon qui apparaissent le jour et la nuit. C'est pas possible. En même temps, je n'ai pas rencontré des masses, on va dire. C'est peut-être normal. Tac. Bref. Allez, on va ici. Ah. Ah, y a un mec là-bas que j'ai pas vu. Faut que je lui parle. Takumi. Ok. Canibus. Ok. Il va prendre cher. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais juste parler au dresseur là-bas. Enfin, avec quelqu'un, lui là.
Tu as écrasé les sœurs. Une telle bourrasque. Tu as semé dans mon petit cœur. Petit combat palpitant en garde. Carte rouge. J'ai dit un carton rouge. J'ai pas lu la phrase. Top brasseur. Rockabo. Il va prendre cher. J'essaie de battre tous les dresseurs, hein. Comme ça au moins. Ça fait tous les. Piégeur qui joue stratégie. Et le pire c'est que je peux pas les enlever. Il est rapide, hein, Rockabo. Ramos. Non, pas du tout. Surtout pas. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien ce genre d'information. Game Freak, ils ont fait du bon taf là-dessus. Le coup critique. Coin Frex. Tac. Je pense qu'on va avancer jusqu'au doyen. Et ensuite. Upset carton rouge. Ah oui, l'arbitre, merci. Ah, il y a des baies là-bas. Il y a des baies. Des baies. Faire au change. Je sais pas pourquoi je le bats. J'avais envie. Un Pokémon dérangé, il m'attaque. Stylé. Moi j'aime bien. Éclatroc. Coup critique. Appel de l'air, mais non. Oh là 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 là. Je crois que je vais le direct lui lancer la Super Bowl comme ça moi. En plus ça lui va bien la Super Bowl. Un petit combat, je vais le mettre dans l'équipe comme ça au moins à la place de Miaou sans doute comme ça il sera pas dans l'équipe finale mais bon j'ai pas envie, c'est juste pour avoir une petite couverture si au cas où. Je vais le mettre à la place de Miaou. Des citrus, ça c'est bien. Des citrus et une mémipo, voilà. Voilà, je suis l'un des rares joueurs qui aime farmer les baies. Ah, et j'ai vu une Pokémon juste avant. Hop là. Et ensuite je pense qu'on terminera l'épisode, je pense, je sais pas si on sait pas.
Pourquoi pas? Voilà, tac, flébobal, c'est pour les faibles. Il y avait un truc. C'est un dresseur lui? Et toi, t'es dans le coin, pas vrai? Tu vas m'aider, hein, pas vrai? C'est une application. Si je m'en veux. Je savais que vous étiez tous bien. Alors là. Alors je t'explique. On est à la lune de mer. Raid. Dingue. De Rocabo. Dès qu'il y a. Ok. La quête de la lune de miel. Ok. Hop là, bats-toi contre moi. Ok, si tu veux. J'ai fait le tour de l'île. Daryl le petit. Mangle le temps. Ah, level 4, oh. Neuf points d'XP, hein. Encore, je suis même pas à level 20. Oh là là, c'est fou ça. Ok, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Maintenant que tu as réussi ta première étape, j'ai hâte de te voir en œuvre en combat. Je parie que tu trouves. Tu mets ton. Quand tu surfes. Je tire. Je ne suis pas dresseuse, mais moi je dois bien avouer avoir été impressionné. Fiu. Il fait rire le cosmog. Abat Pectorus, le doyen de mêlée. Mais c'est le spécialiste des Pokémon de type combat. Si tu veux avoir une chance, Volopsy, c'est l'heure. Donc ça va. Je vais le battre. Hop là, par contre, là, ce que je vais faire, c'est que... Petite potion. Là, carton rouge, ouais, des citrus, ok, bon, je suis pareil. Alors comme ça tu as réussi l'épreuve de la grotte verdoyante, félicitations jeune homme, mais vous n'allez pas vous en arrêter en si bon chemin, et fléchez toi, l'heure est venue de vous mesurer votre doyen de l'huile, c'est moi, au cas où tu ne l'aurais pas compris, moi, avec un plaisir. C'est parti. Ah. À nous deux, jeune dresseur. Avant tout, je te souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le tour de l'île des îles. Trêve de formalité. Place ultime de mêlée. Un combat contre le doyen des îles, c'est-à-dire moi. On appelle la grande épeuve. À nous deux, ce qu'il. Toi qui as Tokoriko, Robin, j'aime lumière, à ton partenaire et flèche et tout. Ton équipe, montre-moi ce que vous avez dans le ventre. Allez, blablabla, trop de blabla. Eh bien cette musique, faire au change.
Je vais le 14, ça va, je suis pas en retard. Oh. La musique me met dans l'ambiance. Ratata. Makuhita. Bah non. Bluff, ok. Allez, je pique. J'ai eu le lâche. Ah. Il va en faire 5. Voilà. Évidemment, technique de faible, la super potion. Voilà. T'as gaspillé 700 poké de là. Crabagar, évidemment, le crabagar. Le gros yeux. Poursuite, ok. Je sais ça. Ah, bon, ça va. Ça va, c'est parfait. Très bien, joli. Ben, je l'ai fait, ben voilà. Ta victoire, j'ai pas lu. Son conseil d'excellent dresseur avec d'excellents Pokémon. Tocorico. On dirait que Tocorico est d'accord avec moi. Je pariais qu'il boude impatience de vous affronter quand vous serez devenu plus fort des Pokémon et toi. Prends le ce cristal Z qui te permet ta force au Pokémon. C'est quoi? La force combat. Ok. Et de... Non! J'avais compris. Grande épreuve. Muscle. Mais bon, ça va. La combat élite. Regarde bien. Pour faire force à la type 1, bouge tes bras comme ça. Cette pose là. Ok. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé les épreuves de Mêlée-Mêlée à la première île d'Alola. Grâce à ce tampon, tu as réussi l'épreuve de Mêlée-Mêlée et t'obéis jusqu'au niveau 35. C'est-à-dire que je peux utiliser. Je peux utiliser Amphinobi aisément. Un jour, tu recevras Tocorico. Je le sais. Do. Rose. Doudou, Rose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Du vieux. Comme monture. Ça lui rendrait service. Il n'a qu'une envie de faire le tour de l'île, lui aussi. Ok. La belle monture. Oh. Oh là là, ça va être bon ça. Ah
Alors ce paysage est complètement différent, vu de haut, n'est-ce pas? N'oublie pas. Alors là, tu trouveras de nouveaux Pokémon qui sont ravis de te transporter sur le dos. Ces Pokémon nous rendent fiers, un fier service. La belle monture. Bouton Y. Ok. Ok. Bah, on va en terminer là. Félicitations, n'hésite pas à utiliser la pelle monture pour que je l'ai perfectionné avec un ami. Remporter la victoire sans utiliser la force Z. Je suis impressionné. Fais-moi signe quand tu repasses dans le coin. Ou une soirée relooting. Oh là là, je te souhaite un excellent tour des îles. J'espère que t'apporteras bien des choses comme une meilleure coupe de cheveux. Oui, il m'énerve ce mec. Oh là là là. Je le déteste. Je sais pas pourquoi. Pourquoi l'attaque faussage. Ah, ça c'est bien ça. Sur ce, je file, mon fidèle yacht, notre traversée de l'île, tu viens m'aider, ok. J'ai une faveur à te demander. J'écoute. C'est à propos de petit doudou. J'aurais aimé le ramener d'où il vient. Mais tu sais, j'aurais pu avoir de gros ennuis si. C'est pour ça que lui rendre ce service. Étant en chose avec toi, en revanche. Ok. Dans ce cas, allons t'accompagner jusqu'à l'île suivante, Ludo et moi. Piou? Ok, il faut aller où? Franchement, je me perds dans cette île. Carte. Oui, mais je veux la carte complète, moi. Voilà, c'est ça que je veux. C'est pas ça que je veux. La carte. Ah voilà, c'est ça. Ouais, je dois aller tout. Je dois aller où? Je dois aller là. Là, là, là. Ah, je dois aller là. Ok. Ok. Bon, bref. Moi, je vous laisse. Hein. On va aller tranquillement là-bas. On va aller tranquillement là-bas, si je me souviens bien. Ah, attends. Je voulais m'amuser. Bon. Voilà, ça va être complètement être mieux là. Voilà. Bref, moi je vous laisse. Je rentre à la maison. Sur ce, je vous dis à plus. Ok, bon. Bref, sur ce, je vous dis à plus. Bye bye.